cinéma, un outil de sensibilisation. De sensibilisation. Ouais. Tu as les comprimés à prendre, il faut manger. Oh, lesquels comprimés? La maladie me demande 700 000. Les comprimés, aïe, ça ne peut même pas trop m'aider. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de l'argent pour avoir les comprimés de 700 000. Comment avec l'état de ton père? Mais seulement, je suis moi-même dépassée. Ça ne fait que s'empirer de jour en jour. Et vous avez eu de l'argent pour l'amener à l'hôpital là? Oh, 700 000. Chérie, 700 000. Chérie, où allons-nous trouver cette somme? Chérie, là, c'est difficile. J'en profite. Oui, papa. Tu causes avec qui? C'est Leïla qui est là devant. Leïla. Comment avec l'état, Baba? Ma fille, je veux mourir. Ouais, Baba, ne dis pas ça, Baba. Je vais laisser ton ami Sharifa seul. Ouais, ne dis pas ça, Baba. Quand tu dis ça, ça l'affecte beaucoup, Baba. Et si t'es passé? Non. Comment se porte ton papa? Oui, il va très bien. Alhamdoulilah. La vie est difficile. Allah, Allah, Allah. Allez, continue à poser ici. Après, tu viens avec la bouille ici. Elle fait déjà. Elle fait. Alhamdoulilah, ma fille. Salut la famille de ma part. Oh. Oui, yo. Donc, c'est comme ça. Toi-même, tu vois ma situation, Leïla. Dis, vous êtes à quel niveau avec toi? Dis que je n'ai pas assez de temps pour aller à l'école. Je dois m'occuper de mon papa en même temps. Là, c'est obligé. Là, c'est sûr que tu dois t'occuper de lui. Vraiment. Ouais. Si tu n'étais pas là, c'est qu'il était déjà mort. Ouais. On espère.
Tant qu'il n'y a pas l'argent là, tu penses que ça va aller où? Ça va aller, Baba. On ne soigne pas à crédit, on ne soigne pas à crédit. Le docteur même a dit, tant qu'il n'y a pas l'argent, ils ne pourront rien faire pour moi. Aïe. Ça va aller. Oh. Oui. Regarde comment je te fais souffrir. Ne dis pas ça, Baba. Je peux plus. Je suis là pour toi. Serre-moi directement la tête. Salman. Ibrahim. Salman. Ibrahim. Ça ne va pas toujours. Moi, j'irai rejoindre les ancêtres. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Il ne faut pas dire les choses comme ça. J'étais à l'hôpital avec ma fille. Mm-hmm. Quand on a fait les examens, le médecin a demandé 700 000. Et toi, tu vois que je peux avoir ça. Mon seul espoir, c'était mon terrain du village. Je l'ai vendu quand j'étais parti voir les guérisseurs. Il a dit que ça allait aller. Ça ne va pas. Ouais. Ça ne va pas, Ibrahim. Maintenant où je suis là, j'attends seulement. J'attends seulement. Ouais, attends. Il ne faut pas dire les choses comme ça, Rahman. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Dieu est grand. Ça va aller. Ah, oui. Oui. Bonjour, ma fille. Ça va? Ça va. Oui. Je te cherche. 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 Faut la porter de l'eau. Aïe. Je t'aide. Fais un effort. Il est aussi lourd. Comme j'étais de passage, je vais seulement te demander la route. Sharifa. Oui, tonton. Faut t'asseoir. Maman, on va faire un doigt. Allah bezoudama Rahman. Amin. Allah bezoudama. Ma fille, faut bien prendre soin de ton papa. Hmm? Je suis parti. Je ne peux pas t'accompagner. Au revoir. D'accord. Salut la famille. D'accord, il faut l'entendre. Au revoir, tonton. Au revoir, ma fille. Mon frère, aujourd'hui ça va déjà mieux. Grâce à Dieu. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te faire une proposition. Hmm? Une proposition? Oui. À un futur mort? Non. Tu vois, avec ton état, on m'a fait une proposition, n'est-ce pas? Que je suis venu vers toi aujourd'hui. Le fils de Daïrou, il veut se marier. Maintenant, la proposition que je les ai faite, c'est que tu as une fille. Comment moi je peux aider le fils de Daïrou à se marier? Je ne peux pas. Quelqu'un qui est sur le lit de la mort. Voilà ta fille. Oui. Lui, il a envie de se marier. Je lui ai proposé ta fille. Ma fille est trop jeune. Bon, voilà ce qu'on va faire. N'est-ce pas? Moi, je te conseille. N'est-ce pas? Parce que la famille est aisée. Et pourront bien prendre soin de toi. Voilà que à l'hôpital, on te demande 700 000 pour tes soins. Appelle ta fille. Vous causez.
Je reviendrai un autre jour. Ibrahim. Oui. Tu dis que les 700 000 pour mes soins là, ce n'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème. Et ce n'est pas, ce n'est pas aussi une raison pour que vendre ma fille. C'est pas affaire de vendre. Tu vois, les petites filles de nos jours, étant à la maison, ça devient un problème. Déjà, elle, elle a la chance de se marier. Ça, c'est une très bonne nouvelle à fêter. Donc, en propre. Mais, parle d'abord avec ta fille. Voilà qu'aujourd'hui, que ta santé ne te laisse pas. Aujourd'hui, ça va mieux. Demain, tu rechutes. J'ai compris, Ibrahim. D'accord. Je vais causer avec ma fille. Si elle accepte, je serai encore sur pied. Là, c'est clair. Doucement, doucement. Doucement, frère. Doucement. J'ai compris, Brian. Bon, moi je vais devoir partir. Je vais devoir partir. Mais, prenons la Fatia. Moi je suis sur la route. Je reviendrai un autre jour, comme je t'ai dit. Je cause avec elle, tu reviens, tu auras ta réponse. D'accord, Fatia. Sharifa. Baba. Where are you going? Where are you? I'm here, Baba. Tu as vu ton tonton qui sortait là, non? Oui, Baba. Il m'a fait une proposition. Je ne sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Laquelle, Baba? Tu as quel âge? J'ai 17 ans, Baba. Et ta religion? Je suis musulmane, Baba. Et tu sais que chez nous, à 17 ans, tu peux déjà être l'épouse de quelqu'un. Il a un ami qui a lui aussi un fils qui cherche une femme. Et par la grâce de Dieu, c'est sur toi que le garçon a posé l'œil. Baba, à 17 ans, je suis très jeune. J'ai épousé ta femelle à 15 ans. Elle n'en est pas morte du mariage. Baba. Maintenant, le ce qui concerne plus ton mariage, c'est ma santé. Si je comprends bien, Baba, tu m'envoies en mariage pour ta santé. Non, c'est pas ce qu'elle dit. La famille qui veut t'épouser, c'est une famille aisée. Ils ont l'argent, ils peuvent. 700 000 pour eux, ce n'est rien. Regarde comment ils te font souffrir. Une fille de ton âge, les filles de ton âge sont en classe. Mais papa, regarde ce pas que une toi tu fais. Pour moi. Je peux et me sacrifier pour prendre soin de toi. Te sacrifier jusqu'à quel âge, hein? Écoute, si par exemple tu acceptes le mariage, chez ton mari, tu iras fréquenter. Chez ton mari, tu auras tout ce dont tu as besoin. Et moi, plus encore, comme tu acceptes de te sacrifier pour moi, je serai sur pied. Je peux courir, aller chez toi à pied, s'il le faut. Donc tu préfères me voir coucher là, hein? Ce n'est pas une vie que j'avais prévue pour toi, ma fille. Maintenant, à toi de voir. Tu peux accepter le mariage, comme ça je retrouve la santé. Tu continues tes études, même étant chez ton mari. Tu me fais des petits-fils. Et ou tu peux refuser. Restez là, c'est à toi de voir. Moi, je t'ai dit ce que je pouvais te dire. D'accord, Baba. Je vais réfléchir à ce que tu viens de me dire. Ça me fait plaisir. Oyo! Sharifa.
Baba. What did I leave Buta Oseni? What do Lao? Air prayer wadi. Ma fille, comme ça va déjà mieux, moi je vais demander la route. Merci tonton, il m'a vraiment fait peur. Merci tonton. Prends bien soin de ton papa. D'accord. Raman, vraiment ton état m'inquiète. Sharifa, oui, papa. Est-ce que j'ai encore les médicaments à prendre? Les médicaments sont finis, Baba. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu te portes bien. Demain, ça recommence. Vraiment, mon frère Raman. Pense-y à ma proposition. Ouais. Ma fille. Oui, tonton. Je vais devoir partir. Merci, tonton. Prends bien soin de ton papa. D'accord. Au revoir, Ibrahim. Au revoir. Bonne journée à vous. Que Dieu protège tes pas. Baba. Oui, ma fille. Tu sais, j'ai réfléchi par rapport à ta proposition de l'autre jour. Quelle proposition? Par rapport au mariage, Baba. Ah. Vu ton état de santé, Baba, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Oh, merci. Aïe. Merci. Tu me sauves la vie. Pas de quoi, Baba. Oh, tu sais que tu es le seul qui me reste pour le moment. Tu me sauves la vie. Merci, ma fille. Quand ton oncle Ibrahim va venir, je vais lui faire part de ça. Il est vraiment malade. Si sa fille n'était pas là, moi je ne sais pas comment mon ami s'y va faire. En tout cas, arrivons voir. Vraiment malade. Vraiment. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, ma fille. Raman. Oh, Ibrahim. Ça ne va toujours pas. D'accord, ma fille. Ne pars pas loin, Sharifa. Je suis à côté, papa. Raman. Ibrahim. Oui, Raman. Bismillah. Ça, c'est ta nourriture. Nous, on ne peut pas quand même te priver de ça. Raman. Je suis le frère de celui dont je te parlais. Hein? Et actuellement, il m'a accompagné pour ne serait-ce qu'entendre ta version. Qu'est-ce que tu en dis de la proposition? J'ai causé de ça avec ma fille. Elle est d'accord. Là, c'est une bonne nouvelle. Et comme il m'a accompagné, c'est juste pour entendre ta version. Et comme tu nous as rassuré, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, on va s'appliquer pour le mariage. Et je disais, oui. Ibrahim, une condition. Elle veut continuer les études, même étant chez son mari. Ah, là, comme son frère est là, il va prendre compte de cela. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Comment toi tu t'appelles, mon frère? Moi c'est Abdoulaye. Ah, tu es le papa de Bouba? Oui, non, son frère. Ah. Moi je vous donne ma fille. Prenez soin d'elle.
comme votre propre fille. Je n'ai pas beaucoup à demander. L'enfant, c'est... Nous sommes déjà prêts pour doter votre fille. Je fais confiance à mon ami Ibrahim. C'est mon ami d'enfance. Fakat. Et si lui, il juge que ma fille peut être la femme de votre fils, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vais t'appeler votre femme. Tu te souviens de la conversation de l'autre jour? Oui, Baba. Ils sont là. C'est le frère de ton futur mari. Et ils sont venus prendre la repose. Ça va plus les rassurer quand tu vas lui dire ça de toi-même. Tonton. Merci. Bonsoir, tonton. Bonsoir, ma fille. Tonton. Oui, ma fille. Comme je le disais tantôt à mon papa, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter votre proposition. J'aimerais vraiment me rassurer si une fois chez Bouba, je pourrais continuer mes études. Ça, il n'y a pas de problème. En passant, Bouba est un homme instruit. Je ne vois pas pourquoi tu n'iras pas à l'école. T'inquiète pas, ça ira. Faut même pas t'inquiéter, ma. Dis, tonton, j'ai un souci. Jusqu'à présent, je ne connais pas le soi-disant Bouba, mon futur mari. Quand est-ce que je pourrais le voir? Ah, si c'est pour ça, ne t'inquiète pas. Tu vois, son papa m'a chargé. D'ici 2 jours, je vais t'apporter sa photo. Une photo, tonton? Oui. Juste une photo de lui? Oui. Comme c'est ton futur mari, vous aurez tout le temps d'être ensemble. Tu vois, elle est déjà pressée de rencontrer son mari. Mon frère. C'est bon. Merci ma copine. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Comment va ton père? Non, avec son état. Ça va mieux. De plus en plus mieux. Dieu merci. Mais comment tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui? Non, on a fini à 12h là, je suis rentrée tout aujourd'hui. Comme il n'y avait rien du tout là, je n'avais rien à faire là-bas, je suis rentrée. J'espérais te voir la semaine-ci ou bien aujourd'hui à l'école, tu n'es pas venue. C'est comment avec toi? Je suis vraiment désolée de ne pas avoir trouvé même le temps de ramener ton cahier, ma copine. Okay. Tu n'ignores pas la situation de mon père, je ne peux quand même pas lui laisser y aller à l'école. Oui, je te comprends très bien. Par rapport aux études, ma copine, oui. J'ai une inquiétude. Comme laquelle? Tu sais, il y a de cela 2 semaines, un monsieur est venu demander ma main à mon papa. Ah bon? Oui, ma copine. Demander ta main. À quel âge? Ma copine, oui. Je te comprends. Je n'ai que 17 ans. Mais vu la situation de mon père, je n'ai pas le choix. Et tu connais quand même le monsieur qui veut t'épouser là? Jamais. Je n'ai Comment jamais tu ne connais monsieur? Pas quelqu'un qui dit que tu vas te marier avec lui? Je n'ai qu'une photo de lui, depuis qu'on parle de ce Bouba. Bouba. Une photo? Ah, ok. Ma copine, comprends-moi s'il te plaît. Si j'ai accepté cette proposition, ce n'est que pour aider mon père. Je me sacrifie pour lui. Ce n'est que lui qui me reste pour le moment. Et ton bonheur? Je n'ai rien à foutre de mon bonheur. J'espère trouver quelqu'un qui va m'aider à payer ses 700 000 pour que mon père retrouve sa santé. Et j'aurai mon bonheur. T'inquiète pas. Je ne te comprends pas. Ma copine, les valises aussi, c'est quoi? Ne me dis pas que tu voyages. Ah non, non, c'est pas le voyage. Je te parlais du mariage tantôt. Ne me dis pas que tu pars aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ça, ce n'est que le début de la dot. Oh, les autres sont encore en cours de route. Bon, le départ, c'est pour quand pour aller chez ta mère?
tout ça, je ne connais pas. Mais je t'invite quand même demain pour le mariage. J'espère que tu ne vas pas me laisser ça. Non, chérie, je ne peux pas quand même être absent dans la. Je compte quand même sur toi. Hein. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci, merci ma copine. Je compte vraiment sur toi pour le mariage. J'étais juste de passage, donc je dois te laisser. Tu as même demain, bien fait de venir, ma copine. Merci. La fille de Draman s'est mariée. Elle a eu le mari. Ouais, Fadjal, Fadjal, Fadjal. Tout le monde venez. Levez-vous, chantez avec moi. Amène-nous la mariée. Elle est mariée avec Boubakari. Sharifa, tu sais très bien que chez nous les musulmans, ici en Afrique, au Cameroun, une bonne femme, elle est vertueuse d'abord. Et pour cela, elle doit d'abord savoir donner de l'eau à son mari et connaître l'islam en question. Pour ce faire, Sharifa, tu vas aller tout droit, tu vas remettre ce verre d'eau à ton mari et tu vas montrer que tu es une bonne épouse. Sharifa, va vers ton mari. Sharifa, mais voici ton mari. Sharifa. Oui. Moi, mon mari. Oui. Affaire. Mais Sharifa. Soudi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée évanouie. Hein? Elle est tombée évanouie. Nous sommes avec qui? Elle est tombée évanouie. Sharifa. Mais c'était pas. S'il vous plaît, faites quelque chose pour Sharifa. Il faut la ventiler. Faites quelque chose pour Sharifa. 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 Elle est tombée évanouie. Sharifa. Elle est où ma femme? Sharifa. 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 Elle va mieux. Sharifa. 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 Quoi? Aveugle. Sharifa. Elle filme.
Jamais. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un pour m'informer ici? Pardon? Quelqu'un pour me renseigner? Sharifa, elle va bien? Soudi, elle va bien? Oui. Elle va bien? Non, elle n'est pas encore réveillée, elle est encore inconsciente. Elle est inconsciente, pourquoi? Elle est tombée, Bagné. Elle est malade tout le temps. Quelqu'un ne me renseigne pas?